T'es sûr que tu vas aller te promener? Oh putain, j'avais pas du tout anticipé la météo, fais chier. Il va être super chiant notre week-end en amoureux déconnecteur. Sauf si j'ai un petit peu dérogé à la règle et qu'en fait on a le wifi. Oh, tu nous sauves la vie, tu me sauves le week-end. Bah oui, je sais. On regarde quoi? Un film, une série? Je me disais, je t'ai jamais parlé d'une de mes passions, les animés. Bon après peut-être que tu détestes, hein, mais... Non, toi tu rigoles, j'adore ça, je regarde depuis que je suis toute petite. Mais pourquoi on en a jamais parlé alors? Mais je sais pas. Ah bah on regarde des animés alors. Bah oui, grave. C'est parti. Bon, je lance quoi? Ah bah, une valeur sûre. Un classique. Un indémodable. Naruto. One Piece. Quoi? Pardon? T'as dit One Piece? Mais évidemment que c'est moi! L'adaptation du manga le plus lu au monde! Tu penses animé, tu penses One Piece! Ouais, c'est une bonne idée, ouais, One Piece, ouais, ils vont repartir pour 1000 épisodes! C'est pas leur un an de relation qu'ils vont fêter, c'est leur 30 ans de mariage! Mais les pirates, ça fait rêver, c'est pour ça! Voilà, tout le monde veut parcourir les mers, découvrir des îles secrètes! Alors, les pirates, je dis pas. Sauf que One Piece, depuis un certain temps, c'est tout sauf des pirates. T'as des géants, des robots, des hommes-poissons, et là, depuis 2019, on voit des samouraïs et attention, surprise! Des ninjas! Bah oui, bah plus de 1000 épisodes, t'es obligé de élargir tes horizons. Toi, t'es juste jaloux parce que ça fait des années que t'es terminé. Mais je suis pas du tout terminé! Y a encore une série dans mon univers là, ça s'appelle Boruto, je sais pas qui c'est, mais ça a l'air mortel. Oui, c'est ton fils que t'as pistonné, arrête de faire genre! Ils ont changé une syllabe, la coupe de cheveux, ils essaient de reproduire le succès de tes débuts. Naruto, c'est plus dense, c'est plus profond, c'est mieux! Mais je suis désolée, c'est pas mieux que One Piece! Mais bien sûr que si, c'est mieux que One Piece, n'importe quoi! Y a pas de débat! Mais bien sûr qu'il y a un débat, c'est mieux, j'y peux rien! Non mais tu sais quoi, on va regarder autre chose, comme ça on se dispute pas. Ouais. Un animé sérieux, voilà. Oui, bah le meilleur en la matière, donc Death Note. Excellent choix d'animé. Un mystérieux personnage charismatique élimine des dangereux criminels avec une arme dont on ignore l'existence. Je parle de moi. Et j'ai même pas besoin de noter leur nom dans mon Death Note pour les éliminer. Chloé et Damien vont me choisir et oublier tous les autres animés. Il sait qu'on entend quand il parle dans sa tête. En animé sérieux, le meilleur en ce moment, c'est quand même l'Attaque des Titans. Évidemment. En ce moment, il n'y a pas mieux. Du médiéval fantastique, des combats épiques, de l'émotion, il y a tout. Ouais, enfin, c'est Carcassonne attaqué par des gens tout nus, quand même. Mais absolument pas. N'importe quoi, c'est rempli de mystères qu'on explique au fur et à mesure. Pourquoi les Titans, ils ont pas de tub? De quoi? C'est vrai, vous l'expliquez, ça, le fait qu'ils aient pas de tub? C'est vraiment tout ce qui vous intéresse. Hein, vous voulez pas savoir d'où viennent les Titans ou pourquoi moi, Eren Yeager, j'ai un lien si particulier avec eux? Bon, on s'en branle, ouais. Eren Yeager, tu dis? Dans 30 secondes, t'es mort. Mais non, mais je sais pas, Death Note, au moins c'est court. L'Attaque des Titans, c'est trop long, non? Ouais, il y a que 4 saisons. 4 saisons. Okay. Non. Certes, il y a 4 saisons, mais la 4e saison est elle-même divisée en plusieurs parties, et chaque partie est en plusieurs parties. Ça fait 3 ans que c'est la dernière saison. Alors que Death Note, c'est seulement 30 épisodes. Une ambiance noire, une intrigue hyper bien ficelée. Ils vont me choisir. Mais pourquoi t'as le chanteur de Tokyo Hotel derrière toi, exactement? Ah, vous le voyez, lui? Non, mais c'est un dieu de la mort, faites pas attention à lui, ok? Enfin, c'est dur de l'ignorer, on dirait qu'on est dans les coulisses de l'Eurovision, là. Ouais, puis il veut absolument me donner à manger une pomme, mais j'en veux pas, hein. Moi, la dernière fois que j'ai mangé un fruit, c'est parti en couille. Ah! Enfin. Enfin quoi? Merde, il devrait être mort. Tu te sens bien, ça va? T'as pas un petit vertige, un souffle au cœur, un truc? Non, ça va, très bien. N'importe quoi, une carie, un ongle incarné... Bon, comment tu l'écris Yeager exactement? J-A-E-G-E-R. Ou J-A-T-R-E-M-A-G-E-R, c'est comme tu veux. Non, c'est pas comme je veux, il faut être précis un moment. Bon, c'est vraiment le moment de faire l'appel, là. Et dis-moi, Monkey D. Luffy, le D, là, c'est pourquoi exactement? Ah bah ça, c'est le plus grand mystère de One Piece. Il faut regarder l'anime pour savoir. Ah merde, je peux pas le buter. On t'entend, putain! Et c'est quoi ça en bas? C'est pas un jeu vidéo normalement? Ah bah si! Ils adaptent Genshin Impact en animé. C'est le studio derrière Demon Slayer qui s'en occupe. Ah bah moi je peux que valider. Hein. D'ailleurs, Genshin Impact est tout le temps mis à jour avec du nouveau contenu et des nouveaux enjeux. C'est un jeu d'aventure en monde ouvert disponible sur PS4, PS5, PC, iOS et Android. Admirez les graphismes qui sont magnifiques, même sur mobile. Explorez le monde gigantesque de Teyvat. Et si vous voulez tout savoir, les mondes ouverts, moi ça me connaît. Y a des ninjas? Bien sûr! Y a même des chasseurs, des sorciers, des chevaliers. Non mais moi y'a que les ninjas qui m'intéressent. En attendant l'animé qui s'annonce franchement magnifique, vous pouvez dès maintenant jouer aux jeux vidéo. Merci Genshin Impact de nous accompagner sur cette vidéo, cliquez sur le lien dans la description pour télécharger le jeu. Bon bah tu sais quoi, on va regarder un truc culte, Dragon Ball Z, voilà, des Namek, des Saiyans et c'est bon, on en parle plus. Et ben voilà, ils se réveillent. Désolé les gars, ils vont faire le bon choix. Je pense que c'est mieux Dragon Ball tout court. Bah c'est non, plus drôle. Mais non, mais si, c'est Damien. Bien. Même là-dessus, ils tombent pas d'accord, c'est pas possible. Je sais, Dragon Ball Super, voilà, j'ai pas vu, tu l'as vu? Non. Mais t'as combien de séries à ton nom exactement? Oh, écoute, c'est comme ça quand on est culte. T'es pas culte, t'es vieux. Que ce soit Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, t'as l'embarras du choix et tu trouveras forcément quelque chose qui te plaît. T'en as pas oublié un là? Non. Bah si.
Dragon Ball GT ? Dragon Ball, j'ai terriblement déçu les fans. Non mais Dragon Ball GT, c'était pas si... bien. Non, ouais, en fait, c'était nul à chier. GT, super, on dirait des noms de bagnoles. Bientôt sera quoi ? Dragon Ball Turbo Diesel, c'est ça ? Ok, vous voulez m'énerver, c'est ça ? Hein ? Impressionnant, n'est-ce pas ? Ah oui, les transformations, ouais. Ouais. Transformation des cheveux en jaune, en bleu, en rouge, en blanc. Blanc, moi j'aime bien. De toute façon, vous êtes que des pâles copies de moi. Hein. Toi, t'es Dragon Ball chez les pirates, toi chez les ninjas, toi chez les. T'es qui en fait ? Demon Slayer ? Ouais, c'est hyper connu, tout le monde en parle. Moi, c'est Tanjiro. Et mon histoire est tragique. Je voyage avec ma sœur qui est possédée par un démon après avoir découvert notre famille déchiquetée et démembrée dans notre salon. Ouais, encore, toi, t'as pas vu ta mère se faire manger sous tes yeux. Hein. Oh. Vous, au moins, vous avez connu vos parents. Moi, ils sont morts à ma naissance. Moi, j'ai écrasé mon grand-père. Mais j'ai pas fait exprès. Hein. Ah bon, ça va alors. Oui, alors que moi, c'est un choix. J'ai volontairement abandonné ma mère. Bizarre, lui. Mais il est fou, ce gamin. Ça m'étonne pas, venant de la part de quelqu'un qui organise des combats d'animaux. En attendant, je propose une quête initiatique d'un héros ordinaire qui va devenir hors du commun à travers des combats ultra spectaculaires. Waouh ! Bah comme nous tous en fait. Non, pas tous. Dis-moi Sacha, Dubourg-Palette, c'est ton nom de famille ? C'est quoi ? C'est une particule ? Il est très tatillon sous les noms de famille. Et j'imagine que c'est un hommage à ta famille si tu t'habilles avec la nappe de la cuisine ? Déjà, il y a plein de gens qui me font des compliments dessus. Et puis, Monsieur Prof version Power Ranger jaune, lui on lui dit rien. Moi ? T'es ma sa gueule. Ça vous choque ? Regardez là, hein, quand même. One Punch Man. Il y a bientôt la nouvelle saison qui sort, c'est drôle, c'est dynamique, Saitama c'est le plus fort d'entre tous. Pardon, excuse-moi, Saitama c'est le plus fort d'entre tous ? Ouais. C'est Sangoku le plus fort d'entre tous. Ah non. Ah si. Quoi ? Ah non, c'est moi le plus fort d'entre tous, vraiment ! Tu sais pas nager, t'es de la même matière qu'un pneu, alors que moi, bah déjà je peux multiplier, Kagebunshi le jutsu, hop ! Puis, je suis Hokage quand même, hein. Je vous le rappelle. Hokage, c'est pas maire du village, Hokage ? Oui, s'il faut inaugurer une salle des fêtes ou un dodan, on t'appellera. Non, putain, comment ça s'écrit, Saitama, déjà ? Hop, doucement avec ton journal intime. Nous, on veut voir un vrai combat. Luffy a raison. Saitama, on doit savoir qui de nous deux est le plus fort. Je te défie dans un combat, tu ne peux pas refuser. Ok. C'est l'heure du duel ! Vous avez pas entendu un beg qui parle, là ? Quoi, ça pose un problème ? Attendez, ma sœur. Elle est où ma sœur ? Vous avez pas vu ? Elle est passée où ? Faut vraiment qu'elle reste près de moi, elle a les crocs en son nom. Ah bah Pikachu non plus, je sais pas où elle est. Pikachu ? Pikachu, où est-ce que... Oh putain ! Pikachu ! Pikachu ! Ouais, je suis désolé, elle est à cran. Nezuko ? T'es où ? Damien, il faut que t'arrêtes là, on va jamais tomber d'accord. Ok. Bah, Death Note, alors. J'étais sûr qu'on finirait par revenir sur moi. Mon plan était d'abord de souligner les défauts des autres animés. C'est comme ça quand on est culte. T'es pas culte, t'es vieux. Jusqu'à ce que eux-mêmes s'avouent identiques, sauf moi. Pas comme nous tous, en fait. Non, pas tous. Puis j'ai poussé Luffy à ordonner un combat entre Goku et Saitama. Nous, on veut voir un vrai combat. Saitama, on doit savoir qui de nous deux est le plus fort. Puis j'ai discrètement libéré Nezuko pour éliminer en même temps Demon Slayer et Pokémon. Et nous, ma sœur, vous avez pas vu, elle est passée où ? Eh oui, je sais comment ça s'écrit, Pikachu. Mon plan est parfait. On t'entend, putain. Tu m'as manqué. Il y a le film Death Note aussi sur Netflix. Quoi ? Non mais non, mais pourquoi tu me parles de cette bouse ? Ouh. Ah ouais. C'est si nul que ça. Mais oui, c'est nul. En fait, ça me dégoûte tellement que j'ai même plus envie de regarder l'animé. Voilà. Super bien ton plan, mec. Hein. Huilé. Même moi, quand le film est sorti, j'ai voulu marquer mon propre nom dans le carnet. Une adaptation live, c'est forcément raté. Dans la mesure où tu mets des perruques, c'est raté, voilà. Oui, bah après, quand c'est bien fait, ça se trouve, c'est bien. Hein. Crois-moi, c'est jamais bien. Mais c'est vrai qu'ils vont faire une adaptation live de One Piece, j'ai oublié ça. Ça se trouve, ça va être très bien. Ok, qui pense que ça va être loupé ? On va jamais tomber d'accord, là. C'est pas de ma faute si t'es têtu. Oh, c'est pas ma faute si t'as des goûts de merde. Ouais. Pardon ? Bah super, le week-end en amoureux. Non mais chérie, désolé, c'est pas ce que je voulais dire, je... Non mais tu sais quoi, on choisit ce que tu veux. Même Digimon, je le regarde avec toi. Attends, t'aimes pas Digimon ? Non, ça m'a terriblement déçu, mais j'imagine que t'adores, du coup, vas-y. Non, je déteste, c'est parfait. C'est parfait ? Mais oui, parce que ça nous fait un point commun. Mon amour, est-ce que tu veux détester Digimon avec moi ? Détestons Digimon ensemble. Oui ! Waouh. Wow, générique là, techno pour les enfants, c'est bien ça. Bonne idée. Ah, c'est bon, on a terminé. On a loupé un truc ? Plutôt, oui, ils ont choisi Digimon. Et bah putain, c'est vraiment pas ma journée.
Et ce combat alors ? C'était épique. Mais c'est qui le gagnant alors ? Bah ouais, on veut savoir. Ah bah là, y a pas photo. Le plus fort d'entre nous, c'est clairement. Tu vas maintenant t'abonner et t'active la cloche. Y'a pas d'autre animé. J'fais la liste, faut que tu t'accroches. Lula, Vérité, GTO, Psychopath, My Hero Academia, Blue Basket, Tokyo Ghoul, Hunter, X-Hunter, Jojo Bizarre Adventure, Full Metal, Alchemist, Fire Force Evangelion. Regardez-les tous, s'animer.